Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, les gars. Moi, ça va super. Je suis très content de vous retrouver. Et oui, bien sûr, l'équipe de fou. Et le pire, c'est que, il a dit pour une fois que Neymar ne coûte pas 800 000 crédits. C'est vrai que c'est la première année où je me dis, putain, je vais pouvoir acheter Neymar direct. Et bah voilà, comme d'hab, moi, je fais les évolutions pour mes dettes. Hein. On peut voir aussi que je suis tellement matricé que j'ai donné des styles aux joueurs qui sont premiers détenteurs. J'ai d'ailleurs oublié de mettre un style à Monsieur Kingsley Coman. J'ai revendu Kane, du coup, j'ai perdu un peu sur Kane. On a vendu Pajor que j'avais... j'avais paqué. Ce CR7 là, je l'avais acheté à 19K avec Chasseur. Il est parti à 23. Marais, je l'ai acheté à 2005. Ça, c'est des cartes que j'avais à vendre. Ah oui, les Ibanez, j'en ai acheté à 2005. Ils sont partis à 3007. Et après, là, c'était les joueurs qu'on avait paqué, quoi. Que j'ai vidé mon club. Hein. Je vends tout, les gars. Vendez tout. Vendez tout. Toutes les cartes hors commun et tout. Vendez tout, même si c'est des cartes qui sont. Même les Chasseurs. Il y a les Chasseurs qui coûtent un petit peu. Faites gaffe aussi aux entraîneurs ou entraîneuses. S'il vous plaît, faites attention. Il y a des cartes qui coûtent très cher. Parce que oui, 2300 crédits au début d'année, c'est très cher. Donc voilà, et encore, il me reste Osimhen et on a paqué aussi un boost. Et ouais, du coup, on est en Dion 4. On a le x2. Oh là là, attends. Et quand j'ai le x2, je fais que des nuls. Vas-y, c'est bon. Donne-moi mes packs. J'ai fait quoi, moi? Argent 3. Et tout ça à cause de vous, hein. Les gars, vous avez du sang sur les mains. Un pack, 75, 85, 75+, c'est hors premium. Trop bizarre de ne pas avoir Memphis dans le jeu. C'est vrai que c'est un peu chelou. Ça me fait penser quand Atem Ben Arfa, il est parti. Franchement, il y avait un vide en moi qui s'est créé. Ça, c'est quoi? C'est le pack hors premium? Alors, peut-être. Qui c'est? MJ. C'est qui? Tané? Non. ADM Boost? Hey, argent 3. Les gars, on a bien fait. Et attendez, on a bien fait de pas faire clash équipe au final. Hey, j'ai fait 4 matchs en clash équipe. Et la taille du partenaire, c'est trop grave. Attends, moi, j'étais en train de dire Sané. Après, je vois Borussia Dortmund. Et là, j'ai tilté direct. J'ai eu mieux que toi, alors que t'as fait Elite 1. Oh, quel dommage. Allez avoir un compte boosté parce que t'es partenaire. Eh, faut que j'en profite de flex parce qu'après, il y a Urlum, il va arriver. Il va me dire, hey, Sam, et oublie pas que j'ai packé Zizou. Bienvenue, j'allais dire bienvenue au club, mais en vrai, de vrai, bienvenue dans le marché des transferts. Ah, je me tâte à le garder au final, comme je viens de dire. Pour moi, les Team Ozuk 1 vont peut-être remonter quand ils seront plus dans les packs. Première grosse carte compact de l'année. D'ailleurs, pourquoi c'est marqué rap? Ah, ils ont changé ça, c'est marqué rapidité maintenant. Bah, pourquoi pas vitesse? C'était bien vitesse. Pourquoi ils ont changé ça? C'est pour faire genre, regardez, on a modifié un truc au moins dans les menus. Et vas-y, j'arrive direct. Ça va vendre, de toute façon, je vends tout. Je dis qu'est-ce qu'on fait, mais je vends tout, je garde juste les consommables. Du coup, on va défendre comme ça. C'est limite un K2-3-1, mais un peu plus offensif, vu que j'ai des MC. J'ai Davis qui va monter, Coman qui va monter aussi. Neymar qui va se replacer juste derrière CR7. Voilà, c'est pas très bien fait, je trouve. Mais en gros, Gusto, ça va être un latéral défensif. Ça va pas être un DC, hein, évidemment. Ibanez et Koulibaly, ils restent en DC, mais Gusto, ça va être un latéral défensif. Bien joué, ça, Neymar. Davis, il monte et du coup, t'as Coman qui se replace juste ici. Ah ouais, c'est... moi, j'aime bien. Il y a juste Palinha que j'aurais voulu qu'il soit plus bas. Regardez, Palinha, il est là. Et du coup, Guti, il est un peu plus derrière. Les gars, je vais tout casser. Les gars, je vais tout casser. Je l'avais trop fumé, punaise. J'ai mis un tamis rouge. Oh, la bombarde, monsieur Cristiano Ronaldo. Let's go, Neymar. Bien joué, ça. Il a quitté, ok. Et les gars, il nous manque une victoire pour le premier palier. Ce serait bien qu'on obtienne le premier palier. Allez, Chris. Comment dans la vraie vie. Ok, j'ai été déco. Ouais, c'est lui qui a été déco. Bah, j'ai pas envie de dire tant mieux pour nous en vrai, mais c'est dommage pour lui. Bien joué, Samarez. Je
Je vais ça CR7. Ah, tu vois, je l'ai pas avec Palina là. Il serait juste un peu plus derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, il est bon, c'est juste dans la tactique, il est pas assez derrière. Et en plus, je me le prends à cause de ça. C'est terrible, hein? Quel beau jeu. Bah, il mérite de marquer, frérot. Je me dis, je suis un chouineur, moi, mais en fait, c'est pas mal le chouineur, hein? Quand on marque des buts qui sont mérités, c'est mérité, hein? Jouer à CR7. Très bien. Comment tu récupères pas le ballon là? Ça fait 3 fois. Je vais CR7. Ah, je dois mettre un bloc sur CR7. Petit mec. Je vais quand même. Enfin, la Palina, je sais pas comment je vais pouvoir m'en passer. Imaginons que je pack un truc un peu mieux. Ou je veux acheter un truc un peu mieux. Je dois changer toute l'équipe limite. Ah. Eh! On va dire c'est Brozovic. Putain, j'ai raté ma sélection de joueurs. Mérité. Bien joué, Neymar. Ça tire en bas, ça. Eh, Chavé, dommage, je choisis le mauvais côté. Bien joué, Ronaldo. Ok, let's go, ça. Bien joué. Non, il va quitter à 1-1. Bon, bah, c'est le premier mec qui va quitter à 1-1. Dommage. C'est pas le Nier qui va mettre ça. Incroyable. Ah, je l'aurais pas, si. C'est du but, mon gars. Bim, bam, tac, fin de frappe, grosse patate du gauche. Bordel. Bon, j'allais me manger un but de la tête de je sais pas qui. Extérieur du pied, logique, but. Il m'a mis, j'ai pris 2 buts, il est pas rentré dans ma surface. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Moi, je vais mettre un timing vert dans la surface et je vais pas la mettre. Il manque trop de cohérence encore, comme l'année dernière. Du coup, les joueurs qui réfléchissent, on va être encore en difficulté contre des mecs qui réfléchissent pas, malheureusement. Chris! Wesh! Ma défense! Wesh! C'est quoi ça? Moi, je dis c'est Ibanez. Ibanez, en vrai, il prend pour tout le monde. Ibanez, wesh! T'es parti où? Hey, Chris! Ouais. Ok, bienvenue Neymar. Il est pas finito. Tac, monsieur Eduardo Quaresma, viens ici. On récupère aussi monsieur Horsness. En vrai, 2 belles cartes. Horsness en latéral droit défensif. Il doit être pas dégueulasse. Il est pas mauvais en défense. Il a de l'endurance. Donc, il peut courir un peu partout en défense. Physique, bon, c'est pas incroyable. En force et en agressivité. Je vais lui mettre un sentinelle, je pense, parce qu'il a déjà assez de vitesse. La vitesse, je trouve que cette année, c'est très, très surcoté. On est du coup toujours au milieu de la division 4. Il nous manque 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3, 4, 4 victoires. On doit faire 4 victoires à la suite. Bon, on met un peu au placard Neymar et CR7 pour l'instant.
Je voulais tester d'autres trucs. On n'avait pas Academy hier. Je vais le tester un petit peu. Après, je le revendrai hein, parce que c'est vendable. On va tester Nkunku. On l'a acheté à 30 000 crédits. Nkunku qui link évidemment Gusto et Robert Sanchez. On a récupéré Eduardo Quaresma qui link comme un héros le Gyökeres. Donc, c'est cool. Bon, ne faites pas attention au ratio. Hein, c'est du clash équipe. Donc là, ils vont pouvoir combiner. Là, je pense que les trois, ils vont être un peu côte à côte. Pagna forcément milieu défensif. Ademi en ailier. Davis en... en latéral offensif avec Quaresma et puis Jonathan Tah en défense. Du coup, j'ai modifié ma caméra, je suis passé en cop. Parce qu'en vrai, tout le monde fait des speed boosts, tout le monde fait des passes lobées. Donc j'en avais marre un petit peu de toujours baisser les yeux pour regarder la carte. Oh, let's go, Gyökeres, incroyable. Putain, les gars, Alex Garcia, il rentre trop bien dans mon équipe. Il rentre trop bien dans mon équipe en MDC, en mode c'est parfait parce qu'il sait faire des passes. Il a passe en prof, enfin il a R1 passe ici. Tiki Taka. Il est bon en dribble, bon, très très bon en passe. Il a 90 en passe long, 88 en passe courte, 88 en vista. Il a lien avec Guti, il a lien avec Robert Sanchez, c'est des Espagnols. Il a lien avec Jonathan Tah. Lien avec Mebundes, lien avec Jonathan Tah, c'est excellent. J'aurais pas besoin d'allemand, ça veut dire pour Jonathan Tah. Et je pourrais revendre Ademi tranquillement. Let's go, monsieur Ademi. Bien joué à Gyökeres. Il va faire la même chose là, genre. Oh là là. Ah tiens, un petit but de merde moi aussi avec un contre. Même si en vrai, je suis même pas prêt à contrer. Bombarde. Voilà mon gars. Voilà mon gars. Allez là. On avait déjà fait l'équipe, donc hop, 84, c'est fait, je mets juste 87 Lavelle, et là-dedans, c'est 82 Espagnol. On récupère, du coup, Monsieur Alex Garcia. Parfait. J'aime beaucoup Jonathan Tah, donc là, c'est un lien très très bien. J'ai Guti, j'ai un peu d'Espagnol dans mon équipe, j'ai du Bayern, du Leverkusen aussi avec Jonathan Tah, forcément. Il est en 3 GT, 4 MP, mais 4 MP, c'est très suffisant pour ce que je voulais faire avec lui, parce que ça va être mon MDC qui relance. Let's go, monsieur Guti. Bien joué, Guti. La passe de Coman, elle est incroyable. Merci, Neymar. Jouer à Neymar. Il m'a fait peur Neymar parce qu'il a tiré du gauche alors que je suis une enroulée du droit, mais bon. Bien joué Neymar. Ok, il me reste une victoire. Bien joué Guti. Par contre, les frappes de Guti, elles partent. Hein.
Il est hors jeu, non, il est pas hors jeu, let's go Gokeres. Pourtant, juste CMDC, hein, il veut pas apprécier rien et tout. Bien joué Gokeres. Je dois faire tourner, contre des mecs comme ça, je dois être une pute. Division 3, messieurs. On n'a pas perdu le x2, incroyable. Notez ça dans le calendrier parce que ce soir, c'est champagne. Je vais jouer que contre des gros puants. Bah, je joue déjà contre des gros puants qui tentent des angles, là, des bugs angles, qui tentent des speed boosts à chaque fois qu'ils ont le ballon. Garcia, en tout cas, en 5 matchs, très fort. Très, très bon en passe. Ça change énormément de tous les mecs que j'avais eu avant avec Brozovic, avec Kessié. Après, Kessié, c'est un rôle différent parce que Kessié, c'est plus défensif. Mais Garcia est très très bon dans la relance, très très bon dans tout ce qu'il fait. Du coup, pour la prochaine équipe, bah là on est en Division 3, donc je pense que je vais garder cette équipe pour l'instant. Orsnes, il est très très fort, si vous voulez, un latéral droit qui défend. À savoir que les cartes fondation équipe, elles donnent du collectif comme si c'était des cartes héros. Bref, messieurs, passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain. Ciao, messieurs.